Bonjour les amis, la troisième lettre de l'acronyme PRIOR que je vous invite à découvrir aujourd'hui est la lettre I qui signifie implication responsable. L'implication responsable qui en réalité pour les anglophones signifie empowerment et ça permet en réalité de pouvoir renforcer la capacité des parties prenantes à la résolution des problèmes, des parties prenantes et à la mise en œuvre des politiques de sécurité au sein de la communauté, de pouvoir vraiment avoir également la capacité de contribuer. Quand on parle d'implication responsable dans le concept de la police communautaire, c'est le fait pour chaque individu, membre de cette communauté-là, de se sentir impliqué à la question de la sécurité, de se sentir responsable de sa propre sécurité. L'avantage, c'est que tous les partenaires qui, en réalité, dans leur secteur respectif, pouvaient contribuer quand même à trouver des solutions à leurs problèmes de sécurité et ont quand même cette possibilité de renforcer leur capacité, d'avoir quand même les moyens de pouvoir y contribuer et ça permet en réalité de savoir qu'ils sont au sein d'une communauté à laquelle ils contribuent effectivement pour pouvoir vraiment régler les problèmes qui se posent à cette communauté. Avec le concept d'implication responsable, chaque acteur sera bien outillé pour jouer sa partition. Par conséquent, des séances de sensibilisation, d'information et de formation seront organisées, ou du moins sont déjà organisées, sur toute l'étendue du territoire, même parfois dans les langues locales, afin de garantir l'adhésion de tous les acteurs à cette initiative. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre principe de la police communautaire au Bénin.